Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire une petite revue spéciale teint, spéciale beau teint, rapide et efficace puisque, comme vous voyez, on dirait que je n'ai pas de maquillage, pourtant j'en ai un tout petit peu. J'ai eu plusieurs questions par rapport à mon teint pour savoir ce que j'utilisais. Et en fait, c'est tout simple, c'est une bébé crème. Donc là, j'ai voulu vous montrer l'effet de cette bébé crème sans rien. C'est-à-dire que je n'ai pas rajouté de poudre ou de fond de teint par-dessus, j'ai juste la bébé crème. Donc c'est celle-ci. C'est donc la bébé crème Roju Kiss. Donc voilà. Que j'ai eu avec le site Wishtrend. Comme vous savez, je reçois un produit tous les mois que je teste et que je donne mon avis honnêtement. Donc pour cette bébé crème, j'ai testé beaucoup de bébé crèmes. Et c'est pour moi l'une des meilleures. Je vais vous présenter en même temps les quelques bébés crèmes que j'ai pu tester et vous en dire des nouvelles. J'ai donc testé plusieurs bébés crèmes. Ma préférée, on va dire, à peu près au même à l'égalité, donc avec celle-ci. C'est la bébé crème de chez Garnier pour les peaux mixtes à grasse. Par contre, celle-ci, comme je vous l'ai déjà dit, elle est teinte médium et j'ai le teint clair. Donc c'est juste le problème qui me gêne. Donc je suis obligée de rajouter de la poudre un petit peu plus claire pour pas avoir... mais au-delà de ça, elle est vraiment géniale. C'est ma préférée de tous les temps. Du coup, vu que c'est une bébé crème médium et que j'ai le teint clair, j'utilise plus quand j'ai le teint un peu plus mat, donc l'été par exemple. Mais autrement, elle est vraiment très bien, donc je vous la conseille. J'ai essayé celle de L'Oréal, donc du même format blanche, donc où il est marqué bébé crème nude en bleu ou violet, enfin voilà. Celle-ci ne me convenait absolument pas, j'avais l'impression que ça pelait et tout, donc c'était vraiment une catastrophe. De ce fait, je ne peux pas vous la conseiller non plus, je l'ai échangée sur le groupe de troc où j'ai déjà effectué pas mal d'échanges, mais ça fait un petit moment que je suis pas allée. Voilà. Ensuite, au niveau de la BB crème de chez Makeup Academy, elle est, on va dire, potable, mais ce n'est pas la BB crème de l'année. Je ne l'ai pas plus utilisée que ça non plus, donc je ne peux pas m'attarder sur le sujet. Parce que je l'ai vraiment très peu utilisée. Mais bon, elle est pas mal pour le prix. Ensuite, j'ai aussi la bébé crème Sassatini. Donc qui est rose. La teinte, c'est la teinte rose, comme vous pouvez le voir. Moi, j'ai pas trop accroché avec celle-là. Je l'ai pas mal utilisée. Hein. D'ailleurs, je vais regarder à peu près combien qu'il en reste. Il reste à peu près ça. Donc j'en ai quand même pas mal utilisé. Mais en comparaison avec celle que j'ai testée aussi, celle-ci est vraiment moins bien. Je sais pas trop comment vous expliquer. Je la trouve assez spéciale au niveau texture et le rendu. Donc voilà, je peux pas vous la conseiller parce que vraiment je la trouve pas super. Voilà. Ensuite, au niveau vite fait, je voulais vous présenter aussi les petits fonds de teint, c'est-à-dire les fonds de teint qui coûtent pas cher. Donc comme ceci de chez La Belle Beauté, donc Vera Valenti, et puis celle-ci, Make Me Up Paris, donc c'est Modélite, etc. Donc ces fonds de teint font plus, en fait... Pour moi, effet de bébé crème que de fond de teint parce qu'ils sont vraiment pas couvrants, ils sont très légers. Donc voilà. Mais si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections mais que vous voulez avoir une bonne mine, je vous les conseille. Donc voilà. Ensuite, j'ai le fond de teint de chez Avril que j'ai très peu testé mais qui pour moi aussi, je me rends compte des fois que. Où est la limite en fait de la bébé crème et du fond de teint, parce qu'il y a des fois on ne le voit pas. Donc pour moi elle ressemble presque en tout point à Makeup Academy par exemple. Donc voilà. Par contre,
je me rencontre des bons fonds de teint quand j'ai de bons fonds de teint. C'est-à-dire celui-ci de chez Paris Saxe. Donc que vous avez déjà pu voir peut-être dans quelques tutoriels, etc. Donc en fait celui-ci je le trouve vraiment très bien. Par contre je trouve la couleur, je ne sais pas si la couleur me correspond tout à fait parce que je trouve qu'elle est un peu jaune. Voilà, donc elle me gêne un petit peu cette couleur. Après évidemment j'utilise des poudres donc du coup ça choque moins. Par contre il est vraiment très très couvrant, très... Et il fait un effet naturel et tout. Et je le conseille totalement. Donc par contre, pour ce jour, comme je vous ai dit, j'ai utilisé Va avec les crèmes ici, qui est mon coup de cœur. Mais également d'autres produits, je voulais vous en faire partager. Donc mes produits coup de cœur, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc c'est le 11 fleurs d'orange de chez Yves Rocher qui est une couleur juste sublime qui donne vraiment cet effet bonne mine que je recherche. Donc je vais vous faire un petit zoom sur mon make-up. Voilà, donc on voit presque rien, c'est vraiment très discret mais vraiment qui donne un effet très bonne mine, donc c'est ça que je recherche. Et voilà, donc ensuite on reste dans les yeux avec le Yves Rocher, donc volume déployé que j'adore, qui vaut 17,95€ et que je vais vous offrir pour le lot des 1000 abonnés, le ou les lots, je ne sais pas encore comment je vais faire. Donc voilà, il sera pour vous, pas celui-ci puisque celui-ci c'est le mien, mais un neuf. Donc j'espère que ça vous plaira parce que c'est vraiment un de mes coups de cœur et je suis vraiment contente de pouvoir vous l'offrir. Donc et parmi d'autres lots aussi évidemment. Donc je vais vous dire un petit peu mais je ne vais pas le dire. Il y aura du L'Oréal, du Yves Rocher, du Lush. Donc voilà. Ensuite on a la poudre comme ceci que j'adore de chez Essence, qui est la couleur 1 alpha better gamma. Voilà, donc que j'aime beaucoup, qui donne vraiment cet effet bonne mine qu'on recherche toutes. Et puis pour finir, encore un rouge à lèvres de chez Essence, c'est la couleur sparkling romance. Donc voilà, alors je sais pas du tout si vous allez voir parce que j'ai pas mes lunettes sur le nez, que j'ai donc là, que je trouve qui fait très très discret. Donc du coup j'aime vraiment énormément son rendu, voilà, c'est vraiment super joli. Au niveau des yeux c'est pareil, ça fait vraiment quelque chose de, je sais pas trop comment dire, mais voilà, c'est un maquillage qui ne se voit quasiment pas. Donc si vous aimez pas trop vous maquiller mais que vous avez peut-être un teint un peu terne et que vous voulez donner un petit plus, je vous conseille, voilà, de mettre un petit peu de bébé crème comme celle-ci, de mettre un petit coup de blush très discret puisque c'est ce que j'ai, un petit coup de mascara par exemple de chez Yves Rocher qui reste aussi très 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 discret mais qui vous fait des cils magnifiques, et puis des fards à paupières dans les teints nude orangé qui vous donne un effet bonne mine immédiat. Donc voilà, si vous aimez pas trop vous maquiller ou que vous avez envie de faire quelque chose de discret, c'est les produits que je vous conseille parce que vraiment qu'on n'ait pas une tête à être maquillée ou que par exemple on a un homme et qu'on a envie d'avoir un effet quand même bonne mine mais en même temps très discret, je vous conseille vraiment ces produits, ou tout du moins quelque chose qui s'y rapproche pour faire un maquillage très discret comme celui que j'ai aujourd'hui. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous intéresse de savoir quel vernis j'ai sur les mains, c'est le Rimmel 60 secondes, donc le 260 Funtime Fuchsia. Voilà, qui est juste magnifique. Donc en plus il tient assez longtemps, il brille vachement, je le trouve super joli. Donc voilà.
pour cette vidéo. Donc comme vous avez pu l'entendre aussi dans la vidéo, j'ai parlé du futur concours des 1000 abonnés. J'ai mis beaucoup de produits de côté, des produits neufs, pour vous offrir. Donc il y aura surtout des produits, on va dire, de soins, d'hygiène, tout ça, puisqu'il y a du L'Oréal, du Lush, du Petit Marseillais, du Yves Rocher, mais ce sera vraiment des produits, voilà. Donc je vous donne un petit indice. Et puis le mascara, donc que je vous ai parlé dans la vidéo, je suis vraiment contente de pouvoir vous l'offrir parce qu'il est juste magnifique. Donc voilà, il y aura sûrement d'autres surprises. Je vais essayer de faire un joli lot et je vais essayer aussi de vous en prendre pendant les soldes. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Et de toute façon, on n'est pas encore aux 1000, mais je vous réserve une jolie surprise. Donc faites par mes soins, vraiment par mes soins, en plus des partenaires qui voudront participer, évidemment. Non, pas pour les 1000 abonnés, mais pour les 1 an de la chaîne. Moi, je me mélange un peu les pinceaux. Donc, il y a 1 an de la chaîne qui se trouve le 8 mars. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'on n'aura pas encore atteint les 1000 abonnés. Du coup, je ferai un lot en plus de ma part. Voilà. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.